sur la Première Guerre mondiale. Blessé et libéré, il a pris des cours d'histoire de Moza à l'Académie de la Grande Chaumière de Paris. Mais très vite hérité d'une famille aisée, il s'est occupé des enfants déshérités de Paris avant de prendre le chemin de l'exploration en venant en Afrique à partir de 1921. Il vient au Sénégal, après le Sénégal, il vient au Mali, la Guinée, la haute volta aujourd'hui au Burkina Faso et il atterrit en Côte d'Ivoire en 1934. La première ville où il s'installe, c'est Doumbouti. Il va s'installer à Doumbouti de 24 à 31. En temps, il fait des expéditions souvent à Diplo. En tant que chasseur, c'est là qu'il rencontre le président Fouani, qui n'est pas encore président, mais qui s'est lancé à Diplo. Charles Alphonse Combe va quitter la ville de Doumbouti en 1931 après qu'un grand incendie ait ravagé la ville et où il a mis à contribution ses connaissances médicales et il va quitter la ville de Doumbouti pour venir à Nigerville à partir de 1932. Il enseigne à l'école primaire supérieure de Nigerville qui est aujourd'hui lycée classique et il s'installe définitivement dans cette maison à partir de 1937 où il crée son atelier. L'atelier évolue, l'atelier va devenir à partir de 1958 l'École nationale d'art appliqué de l'ingénierie. Et après, en 1994, comme on vous l'a déjà dit, l'école va devenir le centre technique des arts appliqués de l'ingénierie. Les œuvres qui sont exposées dans ce musée ont été principalement exécutées entre 1958 et 1968. 98% des œuvres sont faites en bois. Dans un style créé par Maître Combe lui-même, et qu'on appelle généralement le style Combe, fait généralement des bustes. Dans un bois spécial, mais qu'on trouve un peu partout en Côte d'Ivoire, jusqu'au Mali, un bois qu'on appelle le Tali, mais c'est plus connu sous le nom du bois de fer, parce que le bois est extrêmement dur, il a une densité remarquable. Quand vous le mettez dans de l'eau, il coule, il va au fond de l'eau. Et avant, on s'en servait pour faire le travers des chemins de fer. Donc, on va vous présenter quelques œuvres qui sont exposées dans le musée. Je vous présenterai deux. La seule sculpture qui reste de Maître Combe, qu'il a appelée l'esprit du nègre. Quand Maître Combe a. C'est ça, ce n'est pas une sculpture en bois. C'est en ciment, c'est un moulage. Et quand il a fait l'œuvre et qu'il a appelé l'œuvre l'esprit du nègre, ça a été un tourné général au niveau de ses élèves parce qu'il n'acceptait pas. Qu'on désigne le nom de cri du nègre, vous avez voulu qu'on le dise de cri du noir. Il a accepté d'être critique, mais il a apporté aussi sa réponse en disant que moi je veux contribuer à ce que tout le monde entier sache que le noir a vraiment souffert. En disant le cri du noir, on n'a pas le savoir, mais quand j'ai dit le cri du nègre, vous-même, en tant que noir, vous savez déjà que vous ne voulez pas l'appellation du nègre. Ça dépend de ce qu'on disait du noir en ce moment. C'est pour accentuer, c'est pour que vous sachiez que vous avez beaucoup souffert. C'est la seule pièce qui est de l'île. Et si vous avez la forme peuple, la forme peuple, c'est une pièce qui a été faite en bois. Vous voyez cette tresse sur les peuples, c'est une tresse qui est réservée à la femme d'une catégorie spéciale, les femmes ici. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut faire. Si vous avez, monsieur le directeur de la radio, ouais. Vous avez cette vidéo chez vous, ouais. La copie, ouais. Ça c'est le guerrier mourant. C'est un hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Et comme je l'ai dit, c'est comme lui-même a participé à la Première Guerre mondiale, c'est quand il a été blessé, libéré, et qu'il a pris le coup d'histoire de Moussa qu'il est venu. Et cette pièce, on en a fait cadeau au président Kouba en 1962. C'est le guerrier mourant. Et cette pièce, la famille Kouba sait que cette pièce existe. Parce que je me souviens, par deux fois, les héritiers de Kouba sont venus ici pour vérifier si la pièce est toujours là. Tiam Tidiane est venu par deux fois spécialement pour voir si elle était là. Donc nous faisions des copies, mais nous n'étions pas autorisés de faire la copie de cette ville. Le mouvement. Voilà pour le sujet, monsieur le directeur de l'Église, nous
parce que il y a une copie qui est au foyer. Voilà, qui est au foyer, mais qui est en ciment, qui a été faite par je ne sais pas pourquoi me dit l'artiste. Pourquoi que je ne sais pas. Bon, c'était Sayon. Sayon, c'était un Guinéen qui faisait les peintures, parce que le maître comme il fait les traits, et puis le reste, il fait continuer ça par les élèves qui étaient autour. Voilà. Donc on me présente ici souvent comme la mémoire, donc je dis vous êtes là, vous êtes plus que la mémoire. Et cette pièce, le voleur du manioc, elle a une histoire, parce que c'est une pièce qui a été volée et qui a été retrouvée. Mais elle-même, on l'a appelée en son temps le voleur du manioc. Est-ce que c'est pas son destin? Avant de sanctions. Il n'y avait pas de prison. Quand vous voulez quelque chose, on vous prend, on vous emmène dans le village, tout dans ce monde. Mais cette pièce a été volée et elle a été abandonnée dans la route. Et les gens qui travaillaient l'ont retrouvé. Et donc, ils sont venus. Vous avez volé ici, tous les manioc. Oui, volé ici. Ça a été volé ici. Oui, ça a été volé ici, mais ça, je crois, il y a peut-être 30 ans. Et voilà, je vous présente la moto du monde. Avec ça, comme partage chaque soir à l'hôtel du parc. L'hôtel du parc, à côté de l'exprimement en studio. Ouais. Parce que c'est en ce moment que les Européens se retrouvaient. C'était presque le plus grand hôtel de la place. Et chaque soir, il paraît qu'il était là-bas. Il faisait des croquis, et puis quand il venait, il venait. Donc chaque soir, il partait. Cette moto, c'est de l'autre côté, nous allons faire remonter ici parce que il y a des petits malins, des mécaniciens qui venaient enlever cette pièce. Donc, le fait que nous l'avons fait remonter ici, c'est ça qui l'a protégé. Il y a des gens spécialement, il y a un petit gars spécialement qui est venu deux fois pour se l'acheter. Pour l'acheter. Spécialement. Spécialement. Quand il vient, il m'a dit, et puis tout à fait, il y a une moto qui est là. Donc ici aussi, bon, on peut vous garder mieux. Le chef mourant, c'est un mois de succession qui s'est passé par l'Ouest de la Côte d'Ivoire où le chef régnait 7 ans sur 20. C'était un septennat non renouvelable. Voilà. Il commence par ajouter, quand il finit de régner les 7 ans, le successeur arrive, on organise une grande fête dans la fin de la bois sacré, dans la forêt sacrée, et au petit matin, il est mis en route. Mais ça avait des considérations philosophiques. C'est le respect de la parole donnée, c'est le don de soi. Le chef, il acceptait, il savait qu'il allait finir comme ça. Mais il acceptait, mais vraiment il ne changeait pas, comme on le voit aujourd'hui, il ne changeait pas la constitution pour ce qu'il y a. Merci beaucoup.